raconte sa vie là, tu me mettras dans notre groupe et je te donnerai toutes les infos si tu veux. Avec le téléphone du truc, etc. Il me raconte sa vie là. Ils ont foutu. Bah oui, parce que c'est pour tester la stabilisation. That's what we become. Been around a little bit, but not as long as Littlefoot. Allez, go! Salut les gars, aujourd'hui il ne fait pas beau, il fait même froid, environ 2-3 degrés, mais c'est pas grave, je sors quand même faire une vidéo. Surtout que vous êtes nombreux en ce moment à me demander s'il y a vraiment une grosse différence entre l'Aero 7 Black et l'Aero 6 Black au niveau de la stabilisation. En fonction de votre budget, vous n'avez pas forcément une grosse somme à mettre pour acheter l'Aero 7 Black, et ça peut être intéressant par exemple d'acheter l'Aero 6 Black en déstockage ou alors d'occasion. Donc aujourd'hui je vais tester ces deux caméras sur un terrain de motocross, donc en motocross avec les caméras fixées sur le casque. Le motocross c'est un sport qui bouge énormément. Pour vous le faire voir, je vous mettrai quelques secondes de vidéo sans aucune stabilisation. Vous allez voir que ça bouge énormément. Et puis après, j'alternerai entre la GoPro Hero 6 Black et GoPro Hero 7 Black pour vous donner un petit peu une idée de ce que donne la stabilisation. Au niveau des réglages, les deux caméras seront réglées de la même façon, en 1080p avec 60 images secondes. Comme ça, ça me permet de faire des petits ralentis. Pas de ProTune d'activer. Et puis voilà, là au niveau du son, je suis en train d'enregistrer avec l'adaptateur GoPro et un petit micro Rode vidéo. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description, hein. Pareil au niveau des cartes SD que j'utilise, de tout le matériel que j'utilise. Vous retrouvez tout ça en description. Voilà, j'arrive sur le terrain, donc quelques vidéos comparatives. Et après, on se retrouve dans le camion comme d'habitude pour faire un petit point. Why we try to please them all and ask for acceptance? We all a little off in exception. Eli, quit acting like a B.I. and get to stepping like Eli. Stop, fire is bad, why police have all the cannons in? Time these days got us looking like Afghanistan. Allez, on va rouler. Et y'en a pas un qui veut me prendre en vidéo quand je fais mon super saut là? Moi aussi, moi, filmez-moi les gars. Moi je sais pas filmer les gars. Moi, toi non, ça c'est oui, rien. Oui, mais moi je sais pas filmer. Vas-y, avec mon portable. Vas-y. Donc là, c'est avec l'Aero 7 Black et c'est stabilisé. Le test cette fois-ci avec l'Aero 6 Black et stabilisé toujours pareil. Allez, c'est parti. Oh.
Voilà les gars pour le test de stabilisation entre la GoPro Hero 6 Black et la GoPro Hero 7 Black. Alors d'après les premiers extraits que j'ai pu voir, la Hero 6 Black se défend plutôt pas mal. Donc si vous n'avez pas un gros budget, une Hero 6 Black, franchement, ça peut faire l'affaire. Et bien sûr, si vous avez budget, faites-vous plaisir avec une GoPro Hero 7 Black. Je vous mets tous les liens en description. Il y a souvent des promos dessus avec les cartes qu'il faut utiliser également et puis les accessoires que moi j'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'autres vidéos arrivent prochainement sur le motocross, sur les drones, sur les objets high-tech et sur d'autres trucs encore sympas. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, à la prochaine. À bientôt.